Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, et bienvenue dans votre édition du soir à la une de l'actualité du 2 octobre 2023. Depuis cet après-midi, 14h, la Guadeloupe a été placée en vigilance orange pour fortes pluies et orages. La tempête tropicale Philippe se situe à 100 km de la Guadeloupe. Les établissements scolaires resteront fermés demain matin. Rudy Tessier, le porte-parole du collectif des élèves du lycée agricole, a fait l'objet d'une arrestation musclée par les forces de l'ordre. Direction l'espace régional ensuite du Rézé aux Abîmes pour la présentation du coup de pouce énergie d'un montant de 220 euros. Depuis cet après-midi, 14h, la Guadeloupe a été placée en vigilance orange pour fortes pluies et orages. La tempête tropicale Philippe se situe à 100 km de la Guadeloupe. Météo France rappelle que de forts épisodes pluvieux pouvant aller de 100 à 300 mm par endroit sont attendus, dont l'intensification perdurera probablement jusqu'à mercredi. Il est fortement recommandé de se tenir informé par les bulletins diffusés par Météo France. Le passage en vigilance rouge est envisagé par le préfet. Reportage. On voit l'œil qui est ici et on voit que les pluies associées au système sont totalement dans la partie sud. Donc on a un système qui est fortement cisaillé. Et donc les pluies, bien c'est le paramètre pour nous qui a le plus d'enjeux parce que c'est celui qui risque de nous donner en fait le plus de problèmes. Donc en termes de prévisibilité, puisque déjà en termes de quantité de pluie, c'est un peu compliqué, donc on s'attend à avoir des cumuls pour l'épisode de l'ordre de 100 à 200 mm, voilà, pour l'ensemble de l'épisode. Alors là, comme vous pouvez le voir au niveau de l'image radar, on a un passage, une bande pluvieuse qui a balayé quasiment l'ensemble de l'archipel. Il n'y a pas de zone épargnée et en fait, on s'attend à ce que la plupart des régions soient touchées. Alors évidemment, il y a toujours la basse terre qui, avec son relief, il y a un effet qui va faire que les pluies vont parfois être plus importantes sur la basse terre. Et après, à surveiller, comme habituellement, la zone des grands fonds, où là aussi, on peut avoir des pluies qui sont assez importantes, autour des cul-de-sac aussi, puisque ce réservoir d'eau chaude dynamise un peu les pluies. Donc on a des pluies parfois très fortes qui se mettent dans la zone de Jarry, Pointe-à-Pitre. Pour les fortes pluies, on va augmenter d'un cran assez rapidement pour passer à l'orange et notamment baliser la dégradation que l'on attend pour la fin de journée et la nuit prochaine. Alors fin d'épisode, si les prévisions restent ce qu'elles sont, on a une journée de mardi qui reste d'être pluvieuse également, nuit de mardi à mercredi aussi, début de l'amélioration disons mercredi. Nous vous le disons, en fin de semaine dernière, le personnel gréviste du lycée agricole Agrocampus, affilié aux organisations syndicales SEA, UNSA et SNETAP FSU, s'était réuni en assemblée générale mercredi dernier et avait décidé la suspension de la mobilisation et une reprise sous condition. Depuis, le collectif des élèves du lycée agricole en Guadeloupe se sont mobilisés. Ils dénoncent, je cite, des conditions d'accueil et un cadre de vie et d'apprentissage inhumain et dégradé dans l'établissement. Reportage. Depuis quelques temps, depuis les années, nous avons un lycée qui ou plus que son lycée, son véritable poubelle. Un véritable poubelle où là, effectivement, c'est corps pédagogique là, c'est gardiennage au café. Gardiennage au café, puisque c'est mon appareil, ni pont matériel, tous ces bâtiments-là, blocacoula dedans, tôle pourri, ces tracteurs-là, pas fonctionnent, pas ni tracteur. Ces ateliers d'élevage-là, ça pourrit en point de vue sanitaire. Ça n'a rien à voir avec un lycée. Rien à voir avec un lycée. Ce qui veut dire qu'en réalité, ce petit monde-là ne peut pas l'information là qu'il faut. OK? Donc, et en fait, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est ces enseignants-là qui déclenchent un mouvement de grève. Ils ont déclenché un mouvement de grève, union directrice, et ça, il faut nous parler des proviseurs là, ça. Proviseurs là, ça, c'est qu'à travers la réunion. Ils étaient à travers la réunion, et parce que Maria est venue travailler à la DAF, OK? Ils ont rapporté ici. Donc c'est du népotisme. C'est du népotisme. OK? C'est comme ça qu'a passé dans toutes les administrations. OK? Là, il y a quoi faire? Mouna yo rentré. OK? Il y a quoi faire famille mouna rentrer et il y a quoi mettre ces mouna à l'aise à eux. Et ça, au détriment à nous. Parce que Foma, ça sont professeurs de maths. Foma pas n'y a rien d'agricole là-dedans. Foma pour être en merde. OK? Mais simplement, il y a quoi faire ces mouna vinicidants parce qu'ils n'ont pas considéré nous, ils n'ont pas respecté nous. Alors nous disons,
papa et maman enfants qui ont dit, nous voulons que tu nous donnes une formation prête. Nous voulons que tu nous donnes un tracteur. Nous voulons que tu nous donnes un wifi. Nous voulons que tu nous donnes une bouette. Nous voulons que tu nous donnes une seringue. Nous voulons que tu nous donnes un laboratoire, un laboratoire inopérant depuis plusieurs années. Donc en réalité, c'est monsieur qui a fait tout et tout pour nous des petits mouns abrutis, alors que c'est des petits mouns, des papiers intelligents, c'est des mouns puissants. Ok? Mais il y a un petit mouns abrutis. D'accord? Donc nous avons dit yo, et c'est ça qui est revendication nous. En tout cas, papa et maman enfants, c'est de dire yo, très clairement, yon, puis les hommes bolés mettent en tant que proviseur là, où est ça là? Premier bitin. Deux, Bana Chalus, cap. Pas à des tout partout en télé pour pédier, mettez pas moins de 41 millions d'euros dans les lycées. Ça veut dire qu'ici, il n'y a pas même un euro, il n'y a pas mené ici. Ok? Et ça dit que tout le monde nous, c'est des animaux. Ce n'est pas normal. Donc, nous avons dit, soumettez-vous, organisez-vous, débloquez des fonds, parce que si 41 millions, on ne peut pas dire, même un million, on ne peut pas trouver pour ce Timouna. Même un million, on ne peut pas trouver pour ce Timouna. Alors, qu'est-ce qu'on a demandé? Nous commandons que nous mettions ensemble, c'est-à-dire la DAF, puisque c'est la DAF qui est chargée, c'est le ministère de l'Agriculture et il est représenté par la DAF ici. Nous commandons que la région, puisque c'est elle qui est chargée des formations, acheter tracteurs, etc. Nous commandons les enseignants aussi, les syndicats enseignants, 6 heures sur leur temps, puisque c'est eux qui connaissent habiter là. Nous commandons tous les monde qui sont censés mettre ces gens dans nous à dos cadre. Puis vous pouvez trapper formation agricole, vous pouvez trapper diplôme ailleurs. Nous commandons que vous mettez bien et que surtout pas à regarder vos yeux dans les yeux. Nous pas dans ça. Ok? C'est débloquer le fonds immédiatement. Pour tout le monde, tracteur, etc. Un peu plus tard dans la journée, Rudy Tessy, le porte-parole du collectif des élèves du lycée agricole, a fait l'objet d'une arrestation musclée par les forces de l'ordre. Le collectif des élèves du lycée agricole appelle à un durcissement de la grève demain mardi. Et puis direction l'espace régional du Rizé aux Abîmes pour la présentation du coup de pouce énergie de montant de 220 euros. Cette aide sera versée aux foyers les plus modestes qui auront fait leur demande entre le 2 et le 31 octobre de cette année. Le reportage de Loïc Ignace. Parce qu'aujourd'hui, vu l'augmentation du prix de l'énergie au niveau national voire international, nous avons privilégié avec 12 millions d'euros, 61 000 Guadeloupéens qui devraient effectivement faire les démarches en un mois, de manière à ce que nous puissions les accompagner avant le 31 décembre. Donc c'est un travail qui a été fait par le service de Mme Vanoukia, M. Lafont. Aujourd'hui, nous sommes prêts, tout est lancé aujourd'hui pour que nous puissions accompagner des familles vraiment dans le besoin. 220 euros, c'est pas rien. Après les 3 euros maintenant, pointe à pied de Basse-Terre du transport, voilà un autre bourse encore pour le Guadeloupéen. La région va vous aider. Alors, ne restez pas mobile. Il faut que nous allions chercher ces personnes, les aider, parce que 220 euros, après des dépenses, vraiment, 220 euros est le bienvenu. Déjà, au niveau de l'action sociale, ils sont prêts, ils ont mis en place des agents pour pouvoir recevoir et la population. Déjà avec le cyberbus qui a été mobilisé par la région, où il y a au moins deux permanences par mois pour chaque commune. Alors je pense qu'on va toucher, avec le page, oui, tout à fait, avec le page qui va diffuser toutes les informations, je pense qu'on va atteindre ces 61 000. Il faut que personne, aucun foyer guadeloupéen ne reste sur le côté. Et le président n'a pas cessé d'insister pour que les foyers puissent avoir ces 220 euros. Les attentes de la Commission européenne pour ce coup de pouce énergie déployé par la région Guadeloupe résident essentiellement sur les conditions d'éligibilité. C'est l'éligibilité qui est analysée et qui est tracée, partant du principe que l'énergie a eu des impacts dans toutes les franges de consommation, que ce soit pour l'alimentation, pour les biens du quotidien, pour se vêtir, pour s'habiller, pour se déplacer. C'est pour ça que cette aide de la région n'est pas fléchée. Elle ne répond pas à un contrôle d'usage, elle répond à un contrôle de l'éligibilité du bénéficiaire. Nous sommes là toujours les CCAS pour accompagner notre population la plus précaire, la plus en difficulté quand il y a à donner un coup de pouce. Le coup de pouce énergie, c'est vraiment cela. C'est aider avec 220 euros que
les familles, de toute façon, il y a une grille hein, qui accompagne si on a droit ou pas, mais il s'agit d'accompagner les familles. Nous avons déjà les dispositifs dans les CCAS pour les accompagner, pour pouvoir accéder à ce droit-là, d'avoir ce coup de pouce énergie. Et c'est quelque chose d'important quand on sait les difficultés sur le plan énergétique actuel pour la plupart des gens. Il y a un sentiment d'urgence, c'est peu de temps, mais il y avait eu au mois de juillet une réunion, une rencontre. Donc nous sommes préparés à pouvoir accueillir notre population. Mais elle connaît, mais c'est surtout bien cadré pour qu'on n'ait pas une foule en même temps, mais pouvoir mettre ce dispositif en place. Au CCAS, nous, bon, on a déjà prévu et on va faire l'accueil parce que c'est important pour les populations. On doit faire l'effort. Et puis, dans un communiqué, le maire des Abîmes, Eric Jalton, informe la population que les établissements scolaires resteront fermés demain. Et au regard de l'intensification de la pluie et du passage possible en vigilance rouge durant la nuit, le préfet, en accord avec la rectrice, a décidé de la fermeture des écoles et des établissements scolaires demain matin. Voilà pour l'actualité du jour. Je vous rappelle l'une des informations principales. Depuis cet après-midi à 14h, la Guadeloupe a été placée en vigilance orange pour fortes pluies et orages. La tempête tropicale Philippe se situe à 100 km de la Guadeloupe. Les établissements scolaires seront fermés demain matin. On termine ce journal avec les images impressionnantes des conséquences du mauvais temps occasionné par la tempête Philippe en Martinique. C'est la fin de votre édition. Soyez prudents. Merci de nous avoir suivis sur MyTV Caraïbes. Voici les résultats sportifs du week-end. Et on commence avec du football. En Régional 1, Jeunesse Évolution a remporté son match face à la Juventus de Sainte-Anne, 4-1. Le Dynamo du Moule a été l'emporté sur le terrain de l'Amical Club MG, 3-1. Le Cerfa l'a remporté sur son terrain face à l'US Cambrefort, 3-2. Le CS Moulien a été gagné sur le terrain de la Gauloise, 2-0. Match nul entre Mordalo et l'AS Gosier, 1-1. Et enfin, le Sporting BM a été l'emporté sur le terrain de l'USBM, 2-1. Il y avait du basket aussi, la Coupe du Conseil départemental, les demi-finales. Chez les femmes, le GGB l'a remporté face au Cygne Noir, 81-35. L'autre match, lui, a été reporté. Chez les hommes, la MJC des Abîmes s'est inclinée sur son terrain face à l'Étoile de l'Ouest Pointe Noire, 82-65. Tandis que l'unité Saint-Rosienne, elle aussi, s'est inclinée, mais de peu, sur son terrain face au GGB, 65-63. Ainsi se termine MyTV Sport. Au revoir, à bientôt.